Sur une île où le ciel est toujours bleu, s'amuse un petit zèbre curieux. Zigbee, petit sabot dans la jungle, oh oh, rien ne l'arrête jamais. Zigbee, ses amis sont là pour lui. Toujours prêt pour une autre aventure, avec Maurice à ses côtés. Le prudent Basile voit du danger, mais à la fin, tout finit toujours bien. Zigbee, petit sabot dans la jungle, youpi, tu ne t'arrêtes jamais. Zigbee, tes amis sont là pour toi. Zigbee! Basile manque à Zigbee. J'adore les glissades. Moi aussi. Je suis Maurice, le roi de la glisse. On s'est bien amusé. À quoi on joue maintenant? À saute-mouton. Celui qui tire la paille la plus longue commence. Jouer sans moi, je n'aime pas beaucoup sauter. Est-ce que tu préfères jouer à chat-perché? Ça ne m'amuse pas non plus de me percher. Ça ne m'ennuie pas de vous regarder jouer, allez-y. Mais nous voulons jouer avec toi, Basile. Il faudrait que nous trouvions un jeu où on ne saute pas et on ne se perche pas. Alors, j'ai le jeu qu'il vous faut. On appelle ça le cache-balle. Clem, oh, tu étais là. Comment joue-t-on au cache-balle? C'est facile. Il faut creuser plusieurs petits trous dans le sol et essayer d'envoyer une balle à l'intérieur avec un bâton. Pas besoin de sauter ni de se percher. Faisons un essai. Il nous suffit de creuser quelques petits trous. Ce jeu-là ne me plaît pas trop, Zigbee. Tu cours peut-être au grand galop vers les ennuis. Si nous creusons des petits trous partout, nous risquons de nous tordre les pattes. Ça va aller, Basile. Je viens d'avoir une idée. Voilà. Grâce aux drapeaux qui sont à côté, nous savons où sont les trous et personne ne se tordra les pattes en tombant dedans. Très bonne idée, Zigbee. Parce qu'on n'est jamais trop prudent. Maurice, tu veux passer en premier? D'accord. J'ai manqué mon coup. Ça ne fait rien, Maurice. On va tous essayer. C'est plus difficile que ça en a l'air. C'est à toi de jouer, Basile. Eh bien, je ne suis pas sûr d'être vraiment fait pour ce jeu. Oh, je l'ai mise dedans. Et j'ai enfin trouvé un jeu que j'aime. Oh, c'est le dernier trou. Je crois que je vais y arriver. Oh, yo. Ce jeu est vraiment génial, mais maintenant j'ai une faim de loup. C'est l'heure du goûter. C'est déjà l'heure du goûter? De toute façon, moi j'ai toujours faim. Je fais une autre partie et je vous rejoins. Zigbee, Céline vient de me dire que les boulatoula étaient en train de fleurir près de la rivière. Tu l'as dit à Basile? Il aime voir les boulatoula en fleurs. Courons l'avertir. Oh, bonjour Zigbee. Bonjour Maurice. Bonjour Basile. Regardez un peu ça. Oh wow, comment tu fais? Ça demande beaucoup d'entraînement. Je veux bien te croire, Basile. Je suis content que le cache-ball te plaise. Mais les boulatoula fleurissent en ce moment. Viens les voir avec nous. Vous voyez, je viens juste de commencer cette partie de cache-ball. Alors vous devriez y aller sans moi. Mais les fleurs de boulatoula sont tes préférées? Comme moi, la mangue est mon fruit préféré. J'irai voir les fleurs une autre fois. Comme tu voudras. À tout à l'heure, Basile. Oh, Céline, Vicky. Il est magnifique. Quel est son nom? Nous n'en savons rien du tout. Basile doit le savoir. Il aime beaucoup observer les papillons. Vous le trouverez sur le terrain de cache-ball. Posez-lui la question. Merci, Zigbee. Basile, Basile, nous avons vu un merveilleux papillon. Ses ailes ont la couleur de l'arc-en-ciel. Tu sais comment il s'appelle? Un petit moment. Génial. Qu'est-ce que vous disiez?
Nous avons vu un papillon avec des ailes aux couleurs de l'arc-en-ciel. Est-ce que tu sais comment il s'appelle? Oh, bien sûr, c'est certainement un papillon arc-en-ciel. On en voit rarement ici. Oh, alors il faut que tu viennes le voir. Il n'a probablement pas bougé. Il est par là, tout près. Tu ne veux pas le voir, Basile? Peut-être plus tard. Pour le moment, je préfère jouer à cache-ball. Mais merci d'avoir pensé à moi. Bonjour, Basile. On dirait que tu passes ton temps à jouer à cache-ball. Il n'existe pas de meilleur jeu au monde. Nous allons pique-niquer sur la plage tout à l'heure. Tous nos amis sont invités. Tu viendras? Ça va être chouette. J'essaierai de venir dès que j'aurai fini ma partie de cache-ball. Yeah! Oh, génial! À tout à l'heure! Est-ce que Basile va venir? Il a dit qu'il viendrait. Il ne va pas manquer ça. Il adore les pique-niques. Oh, ces prunelles sauvages ne sont pas aussi bonnes sans Basile. Il ne va pas tarder à arriver. Oh, il devrait être là depuis longtemps. Il doit tellement s'amuser en jouant à cache-ball qu'il a oublié de venir. Oh, en tout cas, Basile me manque beaucoup. Moi aussi. Oui, Basile manque à tout le monde. Mais comme il joue tout le temps à cache-ball, il passe à côté de tout ce que font ses amis. Nom de kilo de noix de coco. Nous devons montrer à Basile qu'il y a plein d'autres choses amusantes en dehors du cache-ball. Mais comment? Je sais. Nous pourrions faire une fête gigantesque pour lui dire « Tu manques à tous tes amis, Basile. » Excellente idée, Maurice. Avec plein de jeux amusants que Basile aime faire d'habitude. Et des bonnes choses. Mais il y a un petit problème. Comment pouvons-nous être sûrs qu'il viendra à notre fête? En ce moment, Basile passe pratiquement tout son temps libre à jouer sur le terrain de cache-ball. C'est vrai, ça. Oui, c'est vrai. Il doit y avoir un moyen. Il faut seulement que je le trouve. Voilà tout. Fais attention au trou, Zigbee. Oh, le trou. Merci, Zara. Chouette cacahuète, j'ai la solution. Je sais comment nous allons faire pour attirer Basile. Il suivra des trous jusqu'à la fête. Quel trou? C'est simple, les amis. Bonjour, Basile. Je voudrais jouer à cache-ball avec toi. L'ennui, c'est que je ne suis pas très bon. Ne t'en fais pas, Maurice. Je vais te donner des leçons. C'est très facile. Regarde. Pieds écartés, bras bien droits, les yeux toujours fixés sur la balle et tu frappes. Maintenant, à ton tour. Je vais essayer. Pieds écartés, bras bien droits, les yeux fixés sur la balle et je frappe. Ouh, c'est un joli coup, Maurice. Mais tu as frappé beaucoup trop fort. Maintenant, essayons de retrouver ta balle. J'arrive, Basile. Vite. Vous voyez tous ces trous? Il va falloir les reboucher et en creuser de nouveau. Tu nous demandes de creuser de nouveaux trous à d'autres endroits? Exactement. Les nouveaux trous conduiront dans cette direction, là où se déroule la fête. C'est un bon plan. Bouche et aplati. Bouche et aplati. Bouche et aplati. Bouche et voilà. Tu l'avais envoyé très loin. Essaie de nouveau, Maurice. Mais cette fois-ci, ne frappe pas la balle aussi fort. Tiens, ça c'est plutôt étrange. Ces trous ont l'air différents. Ou est-ce que je me fais des idées? Ces trous m'ont l'air très bien. C'est vrai. Ce doit être mon imagination. Cette fois, je vais essayer de faire rentrer la balle dans ce trou. Oh, merveilleux! Cette fête va être une réussite. Souvenez-vous, quand Basile arrive au dernier trou, tout le monde sort des buissons en criant « Surprise !» Ils sont tout près d'ici! Cachons-nous! C'était le dernier trou. Tu veux refaire une partie, Maurice? Surprise! Mais ce n'est pas mon anniversaire. Ce n'est pas pour fêter ton anniversaire, mais pour te dire tu nous manques, Basile. Et nous allons faire plein de jeux rigolos.
comme la Marelle ou Colémaïa. Et le concours de la démarche la plus drôle. Ça alors. Quelle magnifique fleur de boulatoula. Oh, et un beau papillon arc-en-ciel. Alors vous avez fait une fête spécialement pour moi? Tu nous manques, Basile. Nous aimons faire des choses avec toi. C'est vrai? Oh, je crois que j'ai un peu trop joué au cache-ball ces derniers jours. Mais vous avez raison. Il y a plein d'autres choses amusantes à faire. Tu n'as pas besoin d'abandonner le cache-ball. Oui, je sais. Je jouerai à cache-ball de temps en temps. Mais croyez-moi, il y a une chose que j'aime 100 fois plus qu'une partie de cache-ball. Dis-nous ce que c'est. C'est m'amuser avec mes chers amis. Qui joue avec moi? Allez, c'est bon.